On est devenu l'année dernière le plus grand théâtre en termes de fréquentation de toute la région Sud PACA. On est désormais le premier théâtre de toute la région Sud, au-dessous de Lyon. La production telle qu'elle est proposée par Daniel Benoît est particulièrement attractive parce qu'il y a une grande diversité de spectacles avec des noms qui sont extrêmement attractifs. Ils sont tous là derrière moi. Regardez, on commence par Fabrice Lucchini, Isabelle Carré, Lambert Wilson, Gaspard Proust, Pierre Palmade et on finit par la Comédie Française et Muriel Robin. Désormais, ce qui se crée sur Antibes ensuite irradie dans toute la France. Ce qui est le plus important, c'est le fait de la place qu'on donne aux créations, aux productions, aux coproductions, parce que, tout simplement, c'est la marque d'un théâtre. J'ai eu l'exemple tout à l'heure de La Barre qui a fait près de 15 000 spectateurs. Ça c'est la vraie création, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui vient, qui s'appelle Ivo Van Hove, qui est le grand metteur en scène européen actuel, que j'ai connu moi il y a longtemps, et qui, après avoir fait l'ouverture d'Avignon, fait un spectacle qui est un opéra danse, etc., qu'il met en scène et qu'on va recevoir en octobre. Il ne faut absolument pas le manquer. On s'est aperçu que, dans le fond, on devait prendre plusieurs représentations par spectacle parce que sinon, les choses se bloquaient extrêmement vite. Donc on a augmenté le nombre de représentations, ce qui fait qu'on passe de 225 à 250 presque.